30e édition. Je pense que c'est une édition anniversaire, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous parler des spécificités de cette 30e? Alors tout d'abord, nous affichons complet. On n'a plus de place. On a déjà bouclé pour la 30e. Il y aura 218 équipages cette année. 218 équipages avec 17 nationalités. Et on est très fiers de fêter cet anniversaire, ce 30e anniversaire, parce qu'il est intergénérationnel. Donc il y aura des surprises, je ne peux pas vous dire tout, parce que ce 30e anniversaire sera une grande fête. Nouveau parcours, nouvelle manière de vivre la navigation. Donc ça, tout ça, ça doit rester encore un petit peu secret. Combien y aura-t-il d'équipages marocains ? 10 équipages marocains engagés sur cette édition, donc 20 femmes. Et puis on aurait pu peut-être en avoir plus, mais comme il n'y a plus de place, c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits indices par rapport au parcours de cette 30e édition ? Alors plus à l'est, plus au sud-est, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et en ce qui concerne les autres nationalités, combien y aura-t-il d'équipages ? Est-ce qu'il y aura des œuvres sociales, des choses qui vont accompagner le... Alors, il y a toujours des œuvres sociales, puisqu'on a notre association Cœur de Gazelle qui œuvre pour le Maroc et dans le désert marocain, ce qui veut dire embarquer avec nous, comme d'habitude, 35 médecins et puis toute une caravane qui soigne, qui construit des puits, des crèches, des écoles. Donc ça aussi, c'est toujours d'actualité et encore plus. Il faut dire qu'aujourd'hui, après 30 ans, on a soigné 95 850 personnes dans le désert. Justement, après 30 ans si on peut dire, de rallye, quel est le souvenir qui vous tient le plus au cœur? Quelle est la chose qui vous marque le plus par rapport à ces 30 années? Je crois que ce qui me marque le plus, c'est les femmes, leur bonheur, l'énergie qu'elles déploient et ce tremblement qu'elles ont toutes dans les mains le premier jour, quand elles font le premier jour de course. Et ça, c'est toujours un moment très, très émouvant parce qu'elles se posent tout d'un coup la question de savoir qu'est-ce qu'elles font là. Et est-ce qu'elles vont y arriver? Et l'arrivée aussi à Essaouira, sur la plage d'Essaouira, où éclate la joie et le bonheur. Tout ça, tous les ans, c'est différent. Chaque année, le gazelle est différent. Alors là, pour la 30e, quand je vois combien les femmes se sont battues pour y arriver, pour faire partie de ces 30 ans, c'est vraiment magnifique.